All praise be to Allah. We seek His refuge, we seek His help and His forgiveness. We seek refuge with Allah from the evil of our own souls and from our bad deeds. Whomsoever Allah guides will never be led astray. And whomsoever Allah leads astray, no one can guide. And I bear witness that there is no God but Allah. And I bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is His messenger. May the peace and blessing be upon him, his family, and his companion. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Dear parents, guardians, students, colleagues, ladies and gentlemen, here we go again. I say assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to assembly. I would like to use this opportunity to appreciate you all for all your cooperation and support in ensuring the success of this school year session of 2017-2018 that come to its closure. It was a foundational year for us. As for the previous years, with the success of our students, our international expansion process, and the growth of the school, which we hope will continue, inshallah, to expand. Alhamdulillah, we couldn't have achieved all of these without your loyal support, contribution, feedback and encouragement. As closing this school year, we also getting ready to welcome all new and returning students to the next 2018-2019 academic session by continually building our school to offer quality education while ensuring our teachers focus on teaching the basic principles of Islam to strengthen our faith, respect for one another, and imbibe Islamic values based on the teaching of the Quran and the Sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We encourage active participation from all parents, guardians, students, staff to ensure accountability and success of our program. Inshallah, by next year, Iqra Bilingual Academy will extend its facilities into three buildings, respectively for lower school, middle school, and upper school. I hope we will continue, you parents, and all the Iqra community will continue to visit the school, volunteer in different activities, attend parent-teacher conferences, and request meetings when needed. I believe students learn best when they are part of the positive and nurturing environment that involves open and frequent communication between the school, home, and the community. We pray Allah Almighty for His guidance in our cause of creating an excellent generation of Muslims in particular and students in general. And also pray Allah subhanahu wa ta'ala to strengthen, guide and support our director, Mrs. Naisha Kima Jamsra, for all the sacrifices she did and is still doing in order to make Iqra and its students, staff, parents, community, great again. Thank you and have an excellent ceremony. Jazakumullah khair. Alors, maintenant, voilà.
Je m'en vais tout à l'heure faire mon discours en français pour ceux qui ne comprendraient pas l'anglais, Inch'Allah. Étant donné que on s'appelle Ibrahim Academy, donc c'est un devoir pour nous de faire notre discours dans les grandes langues, Inch'Allah. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, nous cherchons son aide et son pardon. Nous cherchons refuge auprès d'Allah du mal de nos propres âmes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide ne sera jamais égaré. Et quiconque Allah égare, personne ne peut le guider. Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son esclave et messager. Que la paix et la bénédiction soient sur sa famille, sur lui, sa famille et ses compagnons. Chers parents, tuteurs, élèves, collègues, mesdames et messieurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je profite de l'occasion pour vous remercier de votre coopération et de votre soutien pour assurer le succès de cette session annuelle de 2017-2018 qui se termine. Ce fut une année fondamentale pour nous, comme pour les années précédentes, avec le succès de nos élèves, avec notre processus d'expansion au plan international et la croissance de l'école, qui, nous l'espérons, continuera de croître avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, nous n'aurions pu atteindre tous ces objectifs sans votre soutien, vos contributions, vos suggestions et vos encouragements. En terminant cette année scolaire, nous nous apprêtons également à accueillir tous les nouveaux inscrits et les réinscrits pour la prochaine session académique de 2018-2019, en construisant continuellement notre école pour offrir une éducation de qualité, tout en assurant que nos enseignants se concentrent sur l'enseignement des principes de base islamique basés sur le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui renforce notre foi, le respect mutuel. Nous encourageons aussi la participation active de tous les parents, tuteurs, étudiants, employés pour assurer la responsabilité et le succès de notre programme. Inch'Allah, d'ici l'année prochaine, Iqraba va étendre ses installations dans trois bâtiments respectivement pour le niveau du lower school, préscolaire, élémentaire, middle school, le collège et le high school, upper school qui est le lycée. J'espère que vous continuerez à visiter l'école, à faire du bénévolat dans différentes activités, à assister dans les conférences parents-enseignants et à demander des réunions en cas de besoin. Je crois que les élèves apprennent mieux lorsqu'ils font partie d'un environnement positif et stimulant qui implique une communication ouverte et fréquente entre l'école, le foyer et la communauté. Nous prions le Tout-Puissant Allah pour qu'il nous guide dans la création d'une excellente génération de musulmans en particulier et d'élèves en général. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il renforce, guide et soutienne notre directrice pour tous ces sacrifices qu'elle a eu à faire et continue à faire jusqu'à présent pour rendre Iqraba et ses élèves, ses membres personnels, parents, communauté, de nouveaux géniaux. Merci et excellente journée. Jazakumullah khair. Sans plus tarder, Inch'Allah, je m'en vais faire un récital du Coran, Inch'Allah, pour ouvrir cette cérémonie, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل
الصلاة وإيتاء الزكاة. وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن طير وكنا فاعلين. ففهمناها سليمان الطير وكنا فاعلين.
Jabi Muhammad, Elijah Malik Gay, Awaja, Aida Sise, Adamu Aisyah, and Awa Alicia Ture. Takbir. Welcome, guys. Tout comme leur prédécesseur. Étape de la cérémonie, nous allons donner la parole à Madame Sarah, qui est la directrice et fondatrice de Ikra Baringol Academy. Assalamu alaikum. I was hoping to get that kind of greeting at least one more time before this school year ended. Mashallah. I'm going to ask your silence. Les enfants, je vais demander que tu aies silence. Silencieux.
C'est pour ça que je ne vais même pas parler français aujourd'hui. Je vois le cadre dire, voilà, here she goes again. Non, c'est Fode qui va aider moi aujourd'hui. I'm going to speak in. Unfortunately, as I say often, I'm going to have to speak in a native language of mine, of English. And I say unfortunately because I really wish that my native language had happened to be one of the beautiful African languages that I am so honored to be amongst on a daily basis. But, comme c'est la réalité, je vais parler en anglais. Alhamdulillah, I'm so happy to be here. He's not going to be able to translate me if he's not here. Where is he? Okay. Every time we have these graduations, Mohamed Sa. S'il vous plaît, votre attention. Every time we have these graduations, maybe the parents, what you see is your child. You see your child that you, alhamdulillah, with Allah's help, brought into the world, and you watch this individual grow up to the point where they are taking diplomas and moving to a new step, a new stage in their life. Donc, salam alaykoum wa rahmatoullah. Donc, Madame Salmia a l'intention de dire que toutes les fois qu'on a organisé cette cérémonie, ce fut toujours les parents, les élèves, toute la communauté libre qui s'est toujours réunie ici. Donc, pour vraiment partager des moments intenses de réussite avec tout ce groupe public composé par nos élèves qui ont gradué. Et aussi, cela aussi, c'est un souvenir pour les parents aussi. Cela donne des mémoires, des souvenirs. Parce que ce fut des années avant, les parents voyaient leurs enfants étant bébés. Et donc, les voici maintenant en train de réaliser certains de leurs rêves, puisque le rêve d'un parent ne cessera jamais pour son enfant. Et donc, ceci est vraiment une très belle occasion pour les parents aussi de voir aussi l'accomplissement et la progression de leurs enfants d'un point de vue éducatif. And me, I wasn't there when they were born. I wasn't there when they were born, but I was there for many of them when they were reborn. Je n'étais pas là. C'est pour ça que je dis que mon français n'est pas fort parce que c'est difficile. Elle n'était pas présente à la naissance de vos enfants, mais quand même, elle a été toujours là à la renaissance de vos enfants. Et donc cette renaissance n'est rien d'autre que le fait de les avoir mis à l'école et donc de nous avoir fait confiance, de nous avoir confié vos enfants. Et donc c'est une renaissance pour elle. Et donc elle a été toujours présente pendant ce moment de renaissance de vos enfants. It's a blessing for me, and it always encourages me to see the metamorphosis of these children, who in turn also help us to get to different stages in our life. When they come to their test entree, there are different people from who you have before you now. You come to us with a lot of hope. What can you do with this child right here, Madam Sar, staff of ICRA? And we pick up the baton and we say, with Allah's help, inshallah, we will help you to realize the goals that you have set for them in their lives. Donc, je vais essayer de résumer. Donc, c'est une opportunité aussi pour elle pour vraiment féliciter. Ok. Donc, c'est une occasion pour elle pour vous féliciter encore vos parents et donc elle se réjouit aussi de la métamorphose de vos enfants parce que aussi ça n'a pas été évident quand même que le fait de nous avoir confié vos enfants dès les premiers âges et donc de nous donner un tout nouveau enfant, n'est-ce pas, prêt à acquérir des connaissances sur la vie et aussi des connaissances de base de la vie. Vraiment, elle se réjouit de cette opportunité-là que vous lui avez toujours
Okay. In front of you, you have students. Their stories are not the same. Their challenges are not the same. The role that they've taken to wear this cap and gown, so different. Donc, devant nous, nous avons des élèves, mais qui ont des futurs différents. Et donc, qui ont des missions différentes, comme aussi le touche le monde. Donc, chacun d'eux porte en lui un flambeau, n'est-ce pas, d'espoir. N'est-ce pas? Donc, et ce flambeau d'espoir-là, Inch'Allah, c'est ce dont nous tenons, Inch'Allah, à accomplir tout le monde de leur projet scolaire. Je vais essayer de compléter. Le chemin qu'ils ont tous pris pour arriver à ce moment, ce n'était pas la même. L'histoire de chaque enfant ici sont tellement différentes. Nous, on passe beaucoup plus de temps avec vos enfants. Ça devient nos enfants. Même toi, tu n'es pas au courant de l'histoire complète. Qu'est-ce qu'on a vécu avec ces enfants-là jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à ce moment-là? C'est nous qui sommes plus fiers peut-être que toi. Parce que tu n'as pas tout vu, tu ne peux pas. Mais je dis que je suis très contente. Parce que, comme je disais à eux tout le temps, il faut juste arriver. Si tu as ton diplôme à la main, c'est pas important. C'est pas important comment tu arrives. C'est juste que tu as ce diplôme de ta main. Oui, c'est comme ça dans la vie. Même when you take a job, quand tu prends un travail, le same job, tu as ton CV, tu as le diplôme qui est listé là-bas. Personne ne va te demander si tu as passé 8 heures de temps en train de faire des études ou comment tu as battu pour avoir ce diplôme. Le same job que tu arrives à avoir les compétences qu'il faut pour aller dans la profession que tu veux. Inch'Allah. Donc, it is a given that we're all different, but alhamdulillah, the chances that your parents have given you here, the community has given here, the support that the teachers have given you and your respective tutors, everyone that is a part of your story, you need to be very filled with gratitude. Even we only know a part. You who live inside your bodies, you know more than us what it took to arrive at this moment. But it's not enough just to be proud of yourself. You have to give thanks to who thanks is due. So, I'm going to end with just saying, we have students going into the middle school. On a des enfants qui vont entrer au collège. On a des enfants qui vont entrer au lycée, Inch'Allah. As you advance, so do the opportunities for you increase. Les opportunités aussi vont augmenter. Mais il faut être parmi de les groupes qui vont être sélectionnés pour ces opportunités. You have to be a part of the people that we will choose. If you're looking at yourself and you want to follow the crowd, follow those who you know will be amongst the chosen. Even in this life, in this dunya, we want to be amongst the chosen in that grand day, that day of judgment. We want to be amongst those who, we don't just go with the group. If the group is not on the way to where we want to go, we want to be amongst those who are chosen to go the way that we want to go. The opportunities are vast. Ils ont beaucoup d'opportunités. Mais, si Madame Sa, or vos profs, or vos parents, pour pas penser de vous, comment c'est l'heure, ça c'est tellement grave. Tu as perdu les opportunités, tu n'es même pas au courant. Chaque mois, chaque deux semaines, je vous dis maintenant, je reçois les emails. I receive emails that tell us about new opportunities for Inquir students. And quickly, I look in my head, I say, oh, mais qui peut être bien pour cette opportunité-là? Parfois, j'ai mal de vraiment quelqu'un vient. Parce que c'est des compétences différentes. Ça peut être une compétition de base, ça peut être une compétition internationale mathématique. Beaucoup de différentes compétitions, mais est-ce que vous, vraiment, tu es impressionné, nous? All the impressions que tu as donné, c'est absolument non. Absolutely not, never, c'est pas possible. Celle-là n'est pas prêt. Même s'il est prêt,
techniquement, le comportement, zéro. Ce n'est pas nous qui va prendre cette liste-là, devant le monde, la monde. So please, be amongst those who would be chosen. Have a profile, un profil. Qui? Pensez-le, les gens vont dire, je veux celle-là dans mon équipe. Je veux que celle-là représente Ikrabalingo Academy. If you're not that person today, c'est pas trop tard. Si jusqu'à présent, tu n'es pas cette personne-là, c'est pas trop tard. You can change your future right now with your very next steps. And I encourage you all to do so. I encourage the parents, the community, to let them flourish and become something new right before your eyes. It's hard. Parfois, tu vois un élève, surtout ici, au Sénégal, il est en train de faire de mauvaises choses. Les gens vont dire quoi? Bon, Hanate, bon, ça c'est quoi? Depuis quand? C'est pas intéressant. Il faut juste dire, alhamdulillah, wow, c'est ça qu'on voulait de vous. Il faut toujours encourager, il ne faut jamais perdre l'espoir. Un autre jour, c'est une autre chance, c'est une autre opportunité, c'est la bénédiction de Dieu. Donc je remercie vous tous to come and to celebrate this wonderful occasion with us. Excuse me for all my errors, because there are many. Surtout dans le langage de français, mais I'm trying. Children to be lifelong learners. Apprentissage de la vie. J'espère dans le temps je vais être un modèle pour vous. Que vous, tu vas voir le métamorphosis de Marissa. Tu vas dire Marissa, mais wow! Depuis quand tu parles cette façon de français, c'est pas aujourd'hui, toi-même, d'accord? Mais dans la future, dans le futur, je commence à comprendre le là, là, tu vois. Dans le futur, ça va être excellent, extraordinaire, c'est ça que je veux. Je veux que toi aussi tu aies fier de moi, Inch'Allah. Merci beaucoup et je ouvre le cérémonie. Alhamdulillah. My name is Ashraf Rafi and I am a graduate of 5th grade. Today, we all are here to celebrate the graduation of 8th and 5th graders. It is a really happy day for all the graduates. First of all, I would thank my teachers, because without them, I would not be here. I will thank my 3rd, 4th, and of course 5th grade teachers, and all the other people who have helped me. I have been in the school for 3 years, and because of my teachers, I've had such amazing years. I am happy to move to 6th grade and expect the same support from my teachers and friends to make 6th grade a memorable experience for me. As quoted by an anonymous person, it takes a big heart to help shape a little mind. This whole experience would not be possible without the solid guidance from our director, Madam Shah. Thank you very much and have a nice day. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Dear Madam Shah, dear teachers, dear administrators, dear colleagues, dear parents, dear guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On behalf of my colleagues, on our day of excellence, I would like to thank Ikra family for the great effort since the beginning of this year till today to help every one of us reach this level of education. Special thanks to Madam Sar who created this school and treated us like her real children. Our homeroom teacher for the daily help in school subjects, all our teachers for every single advice which helped us graduate on day, our parents for giving us the opportunity to be in the school and helping us on our way to the right path in our relationship. I would also thank my teachers who helped me since I was in kindergarten, because without their efforts, I would not be in fifth grade nor would I be graduating today. Thank you very much, Madam Jia, Madam Ju, Mr. Jiang, and all other teachers who were with me throughout my years in Ikraba. Thank you, Mom and Dad, for providing me with information when I needed. Because it helped me understand lessons that I don't understand and become better in it. I know that it would not be easy for me in middle school, so I'll improve my attitude because I will get better grades than now, making me an excellent student. I wish for all of you good luck and thank you for your attention. Okay.
I feel that this room is a little bit cold. I would like to read it. Read it with the Ikraba school song. Who knows the Ikraba school song? If you don't know, it doesn't matter. If you have your schedule, turn the paper and you have the school song. And I would like everybody to help me sing the song. The whole room. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. One. Two. Yes. Did you wait? Yes. I want to hear your voices. One, two, three. Because I want to live by my dream and be all of our wants to be and a. Because I have achieved my dreams with Ikraba. I can be that sky, be that strength in me. Okay.
Now we're going to give the second graders awards. Alors, Mohamed Suleiman Sarr. Mohamed Suleiman Sarr. Certificates come back. Those who have received certificates so far, come back down. I think it's important for you to know what they're being celebrated for. They already here? Oh. Okay. So we have Outstanding Scientist Award. She is an outstanding scientist. This is Mariam Mwazu Umar. We have Shaq, who is an excellent helper in the class. Very, very dynamic. C'est un grand. He's with the teacher, helping to assist in all kinds of ways. We have Mohamedou. He has 2-1-4 participation. He loves to participate, and he is the student of the year for class of first grade. Thank you. Who do you see in front of you? We're not surprised. You may see that she's surprised with her beautiful dress, but she is the best athlete in the class. Super athlete. And she has an award for doing physical education, Loria. Sabdiye Kaprema. Et hola, Aisha Amamatu Toure, who is another one who always shows up. Je sais que même ses parents ne peuvent pas accéder à la maison. C'est un militant. Cette fille-là dans la famille, il dit, maman, qu'est-ce que tu parles? Il faut juste amener moi à l'école et amener des médicaments. Je comprends plus. Et puis, directement, dans tous les côtés, qu'est-ce qu'il veut? Et il faut que tu es obligé de faire. Parce qu'elle est très sérieuse quand elle parle. Tu vois son visage maintenant? Il sourit pas, elle est sérieuse. Elle est là. Donc, Takbir pour tous les groupes. Takbir. Alhamdulillah, second grade for one. Third graders. Now we're going to move on to the third graders. Alifa Abubakar-Jai. Alifa Abubakar-Jai. Usman Abubakar Amma. Usman Abubakar Amma. Muslima Fatima Ges. Muslima Fatima Ges. Fatima Abubakar Amma. Fatima Abubakar Amma. Shaima Mariam Diop. Shaima Mariam Diop. Bahad Suleiman Diop. Bahad Suleiman Diop. Jafar Bashir Fah. Jafar Bashir Fah. Sheikh Mustafa Diop. Sheikh Mustafa Diop. Muhammad Mustafa Fah. Muhammad Mustafa Fall. Adija Haidara. Adija Haidara. Sayyidina Mohamed Sidibe. Sayyidina Mohamed Sidibe. Leifa Tujao. Leifa Tujao. Issatou Diallo. Issatou Diallo. Mohamed Sey. Mohamed Sey. Amadou Fall. Amadou Fall. 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 Malik Ba. Malik Ba. Mariba. Alburi Njai. Alburi Njai. Atasen Fam. Aljazi Al-Baghdani. Aljazi Al-Baghdani. Muhammadu Mahtar Sa. Muhammadu Mahtar Sa. Some great things. Alhamdulillah, we're so proud. Aisha too is getting a good helper. She's my what? My helper. She's my assistant. Every day at lunch, every time she has a free minute, even if she doesn't have a free minute, it's not a problem. She comes and she's what? That's her? It's because you put a day to all of your shows. She's like that even in our class, so mashallah. Ata said some, she's like, what? She has a certificate for English language learning. Mashallah. Thank you. Ata has, this one first, homework hero, homework. You also have a citizenship award
excellent citizen in the class and around the community. Atta is also a mathematical genius. We love it. We have a lot of math future engineers, medical doctors, everything in the community. Alhamdulillah, and a shining star. Shema also is an excellent, excellent help. She's somebody that her students, her peers, her friends would go to if they needed anything. And she knows she would never complain. So that's an excellent quality as a Muslim. Alhamdulillah. We also have Fatima, who is same thing, excellent helper. I'm sure Fatima is not only an excellent helper at school, but also in the family. She's one that is very, very responsible, mashallah. Somebody that was trying to get all his awards in the photo. We have Amadou Bao, who's an excellent citizen, an excellent helper, and a homework hero. Amadou has made excellent strides this year in English. When Amadou came, did you speak English? Yes. Nothing. Yeah. Yes, said to the monkey in our body. And not in pop fluently. We're so proud of you. Get out of here. Certificate of achievement for perfect attendance. Chef Mustafa Joe. There every day at school. Can you have your attention, please? All around the world, in the best schools, they celebrate students who come every day. Excuse me? Even those who come only part-time to work, they might be excellent in so many things, but if they don't come every day, they're not reliable. We can't depend on them. They're saying that this is somebody that you're going to be able to depend on. Alhamdulillah. Certificate of achievement, another one, very dependable, very job-worthy. Dependable, he will be there. He will show up and he's ready to assist. This is Muhammadu Mustafa Fowl. We have homework hero. Homework hero. My friend, Sayyidina Muhammad Sidi Bey always does his homework. Right? That's very important. Alhamdulillah. And we have Usman, all snazzy dazzy dressed up in his suit, ready for everything. He has physical education, Lordia. He's excellent in PE and an excellent citizen. He's somebody teachers have to be sure not to forget. He's so quiet. He's paying attention. He's there, but if you don't take attention, you might not know he's there, but he's a quiet storm. Sabadeh, you're not gonna see him coming. But when he opens his mouth, mashallah. And we have Abodi Jai, Achievement Award Shining Star. Abodi too. He has very, very, very much integrated into the Ikhwan family. We're so proud of him in the areas of language. But this one he's getting for French. Sabdia, he learned English, he's excellent in English, but he did not drop the ball in French. He is excellent and superior in the language of French as well. And in mathematics. Abodi is one of the superstars in UC Math. UC Mass, Mental Math. You'll see him on YouTube coming to a station near you. He's one of the ones, if you said 538 plus 602 plus, I'm not gonna test him here, he'll say 688. We'll test him at a future competition, inshallah. Not now, he's nervous. And we have Suleiman, by Suleiman, Juf, for Citizenship Award. There's no nicer. No nicer. We have a lot of nice, but there's no nicer. You know, boy, I was saying all the schools. That's his pride for his parents, that he's just so respectable. He's somebody that comes to you so humbly. You just want him around. You say, wow, Sirim, wow. How are you doing all that? Your parents have educated you well. MashaAllah, we're so happy to have Suleiman in the community. Participation, Muhammad Fay for science classes. MashaAllah. Muhammad Fay is another one. Talk, but when he's talking about science, you be scared. Most of the time, you're like, Muhammad Fay, shh. But when he's talking about science, you say, Muhammad Fay, keep talking. So everybody has their things that they shine in, MashaAllah. We're so proud of the class of third grade, mashallah. Takbir? Takbir. A larger, Allahu Akbar, Takbir? Allahu Akbar. Excellent.
Chers parents, membres de l'administration, professeurs et amis, je m'appelle Aïchatou Abdourahmane, en classe de 4e et bientôt 3e de Charles. Aujourd'hui, je suis là pour mon discours de fin d'année scolaire. Cette année est passée extrêmement vite et comme le disait M. Poirot, juin arrivera et nous voilà en juin. Je suis sur cette estrade à parler à cette audience grâce à certains de mes professeurs tels que M. Wolf, M. Guisset et M. Badji. Ce ne sont pas les seuls, mais je ne peux les citer tous de manière exhaustive. Certains élèves m'ont tout aussi inspiré tels que Sarah Ali, les religions d'Iran, Aminatou Diop et Marco Adel. Ce que ces personnes ont touché en commun, c'est le fait de pouvoir partager le savoir en de nombreuses manières. Toutes ces personnes, camarades de promotion, professeurs, parents, membres d'administration, formant une communauté qui a été en de oui, il n'y a pas de vivre comme les autres. Il n'y a pas de manger facile. S'il vous plaît, les gens qui ont une petite voix, si la salle n'est pas calme, on ne pourrait pas s'entendre les uns les autres. S'il vous plaît, de grâce. Can we have your attention, please? Nous partageons tous les valeurs de la religion islamique pour lesquelles bon nombre d'entre nous sont inscrits ici et non pas ailleurs. Nous imprégnons et nous ancrons profondément dans ces valeurs à travers les enseignements de Dignan, de Coran, d'Arabe, dispensés par Oustaz Koulibaly, Oustaz Hassan et Oustaz Hussein. Nous développons aussi en plus le raisonnement logique, critique et objectif à travers les enseignements de la religion, l'esprit de compétition, le travail d'équipe à travers vers une démarche scientifique et de sciences faibles. De solides camaraderies avec nos camarades de promotion sans frontières, au-delà des nationalités, des ethnies, des races, du genre. J'ai mesuré le degré de la profondeur et la chaleur de cette camaraderie. Quand au cours de l'année, j'ai eu le point de casser et que Awa a été conduite de pouvoir écrire pour deux. Quelle fraternité agissante. Merci Awa du fond du cœur et aussi à tous les camarades pour avoir parlé en place avec les destinations. Nous remercions Allah Subhanahu wa Ta'ala pour la chance qu'il nous a donnée. À nous et à nos parents qui nous inscrivent à cette école avec une qualité de classe internationale. Nous nous donnons rendez-vous, Inch'Allah, en septembre 2018 pour l'année scolaire 2018-2019 pour plus de défis, d'efforts, de succès, de réussite pour continuer à promouvoir l'esprit d'Iqra, l'excellence en tout et toujours. Merci à la fondatrice Amsa pour cette vision et ce leadership affirmé. Qu'Allah nous bénisse, nous protège et nous accorde la vie et l'effort chemin avec le Ramadan. Amen. Takbir, please. And now it's our Alicia Touré. Now is our Alicia Touré speech. May I have your attention, please? Dear parents, dear teachers, dear members of the administration, dear students, assalamu alaikum. My name is Awa Alicia Touré, and this year I was in 8th grade. Today, for this special occasion, I will talk about my experience in grade 8. This year was a little stressful because 8th grade is a graduating class, and to succeed, you need to start working hard from the beginning of the school year. In class, concentration was key to me because that way I could memorize my lessons without having to study so hard later. I was lucky to have classmates who were all very different, and I was able to learn a lot from each one of them. We knew we could get help from each other, and that is a very important part of being classmates. We also knew we could be helped by our teachers, whom I would like to thank for all the help they provided throughout the whole school year. Mr. Traoré, Mr. Gise, Mr. Benji, Mr. Mop, Mr. Sane, Mr. Anderson, Coach Benjan, Ustaz Zid, and Ustaz Hassan Wan. I also want to thank my parents for always being supportive and pushing me towards excellence. They are the people who made me what I am today. I would finally like to thank the members of the administration of IKRA, Madam Sar, Madam Gay, and Mr. Suleiman, for always being available when help is needed and for providing a comfortable learning and growing environment. I'm grateful for all these special people, and I'm really fortunate to have benefited from their wisdom. Thank you. Okay. Now, nous allons. From ages to now, I feel like now IKRA is a normal school for me. For me, it's hard to be.